Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée maintient son mot d'ordre de grève générale et illimitée qui débute ce jeudi 9 janvier 2020 sur toute l'étendue du pays. Aboubacar Souma l'a réitéré ce mercredi dans un point de presse. Le collège syndical DDG menace d'aller en grève également très prochainement. Les travailleurs DDG demandent une amélioration de leurs conditions de vie et l'arrêt de recrutement de directeurs généraux dans les urgences. C'est tout pour le sommaire. À tout de suite les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Je vous l'annonçais dans le titre, le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, SLEG, confirme son mot d'ordre de grève à partir de ce jeudi 9 janvier. Les responsables de cette structure syndicale exigent du gouvernement une proposition concrète sur les 8 millions demandés et l'engagement des contractuels de l'État à la fonction publique. Aboubacar Souma l'a fait savoir ce mercredi à travers un point de presse en Soubaïlo Baldé. Aboubacar Souma a confirmé le début de la grève générale et illimitée ce jeudi dans le secteur de l'éducation sur toute l'étendue du territoire national. Il appelle par ailleurs les enseignants à resserrer les rangs pour le respect du mot d'ordre. Nous demandons à tous les anciens de respecter ce mot d'ordre de grève, de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser intimider par les DPE et les DCE, n'est-ce pas, qui sont responsables de toute cette mauvaise gestion des ressources humaines au niveau, n'est-ce pas, de leur localité concernée. Ce qu'ils réclament du gouvernement. Nous avons demandé au gouvernement de faire une proposition concrète sur les 8 millions et l'engagement des contractuels, des anciens contractuels à la fonction publique. Ce sont les deux points fondamentaux que nous avons réclamés et que nous avons notifié dans les différentes correspondances que nous avons adressées au gouvernement. Aboubacar Souma persiste et signe que l'engagement des enseignants contractuels de l'État reste le point nodal de leurs revendications. C'est eux qui ont promis aux contractuels qu'ils vont les engager. Et comme ceux-ci ont intégré notre syndicat aujourd'hui, c'est pourquoi nous aussi nous sommes engagés à les défendre. Tant que même s'ils payaient les 8 millions entièrement, tant que les contractuels là ne sont pas engagés, nous ne livrons pas la grève. Ces derniers temps, le nom de Bano Bari est le plus cité dans les déclarations des responsables du SLEG. Tout a été tripatrié par le président de la commission, qui est professeur Bano, aujourd'hui, qui est encore dépêché pour soutenir, n'est-ce pas, son résultat est mafieux, tripatrié là. Il a envoyé une délégation, des missions à travers tout le pays pour essayer de faire accepter ce que nous avons rejeté au niveau du bureau exécutif national du SLEG. Au cours de ce point de presse, le secrétaire général du SLEG a lu deux actes d'exclusion et de suspension des membres de sa structure. Ansou le rappelait tout à l'heure, le secrétaire général du SLEG a pris deux actes contre des membres du SLEG qui, selon lui, sont désormais exclus et d'autres suspendus. Suivez. Avis d'exclusion. Le bureau exécutif national du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, vu le statut et le règlement intérieur, vu le caractère récidiviste de la forfaiture, les camarades syndicalistes, membres du bureau exécutif national, dont les noms suivent, sont exclus de toutes les structures et de toutes les activités du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, pour haute trahison. 1. Oumar Tunkara. 2. Aboubacar Silla. 3. Mohamed Bangoura. Les intéressés ne représentent plus le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, au sein du bureau exécutif de l'USTG. Union syndicale des travailleurs de Guinée. La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure contraire et sera publiée partout où besoin sera. Conakry, le 8 janvier 2020, deuxième acte de suspension. Le bureau exécutif national du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, SLEG, vu les comportements inappropriés des camarades d'Antari Bari, membre du bureau exécutif national du SLEG, et Lambert Théa, secrétaire général de l'Union communale de Matam, c'est en violation des statuts et règlements intérieurs du syndicat des anciens chercheurs de Guinée, SLEG, vu le caractère récidiviste des camarades, décide
de leur suspension de toutes les activités au compte du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEC, jusqu'à nouvel ordre. Autre menace de grève, c'est le collège syndical des DG qui compte aller en grève très prochainement sans préciser de date. Il exige l'abandon de nomination de directeurs généraux dans les agences de la Guinéenne de l'électricité. Mamadou Tanouba, en soubaille le balai. À travers leurs élus à la base, les travailleurs DDG sont plus que jamais déterminés à aller en grève sans pour autant préciser de date. À cette rencontre de ce mercredi, ces responsables locaux ont exprimé leur volonté d'arrêter le travail dans tous les services de la Guinéenne de l'électricité. C'est la grève maintenant. Trop, c'est trop. Négociation finie. Merci beaucoup. Nous sommes pour la grève et après nous allons voir la forme, c'est la forme que nous allons voir à l'interne. Leur sollicitation d'aller en grève a été acceptée par les responsables syndicaux présents à la rencontre. Le collège, le syndicat de l'EDG vous répond favorable. Nous sommes vos mandatés et nous allons faire ce que vous avez demandé au nom de l'ensemble des travailleurs de l'EDG. Nous allons, dans les heures qui suivent, décliner le plan de grève à EDG. Ces travailleurs réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi l'arrêt de recrutement des directeurs généraux dans les différentes agences DDG engagées par les autorités en charge du secteur. On nous dit pour ne pas qu'on mette, pour ne pas qu'on sache ce que Belleur a fait, on nous impose encore, on dit on va faire le recrutement de notre directeur. Mais le problème c'est quoi? L'appel d'offres qui a été lancé par rapport à ce recrutement-là, l'appel d'offres est léger. Il n'y a aucun élément, vous pouvez lire, vous savez le journaliste, il n'y a aucun passage qui dit que celui qui doit être retenu doit avoir une connaissance ou bien une expérience dans la gestion du secteur de l'électricité. Aujourd'hui, regardez notre secteur énergétique. Toutes les pannes que vous avez au niveau de vos différentes maisons, si vous voyez que les pannes durent, ce n'est pas parce que EDG ne veut pas faire le travail, c'est parce que EDG n'a même pas de personnel. Pour une entreprise sérieuse, comment tu peux avoir une agence où tu n'as qu'un seul technicien pour couper des milliers de clients que vous avez? Vous avez combien de personnes pour aller réclamer l'argent que nous distribuons tous les jours au niveau de la population? C'est un que des stagiaires. Même les comptables dans nos différentes agences, c'est des stagiaires. Aujourd'hui, la priorité, je pense, pour une entreprise comme EDG, n'est pas pour recruter des centaines et cinquantaines de directeurs pour venir gonfler tout simplement la masse salariale de l'EDG. Cet appel à la grève intervient à la suite de l'échec des négociations entre le collège syndical et les autorités en charge de la Guinéenne de l'électricité. Ces travailleurs disent avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite, ce qui les amène donc à déclencher une grève à leur niveau. Lancement officiel ce mercredi du cadre permanent de concertation entre la presse publique et privée de Guinée. C'est le ministre de l'Information et de la Communication qui a présidé cette cérémonie qui a pour objet donner l'image d'une presse professionnelle. Omar Kondé. C'est un cadre permanent de concertation entre la presse publique et privée qui vient d'être lancé par le ministre de l'Information et de la Communication. Il vise à lever les barrières entre ces deux entités pour une franche collaboration en vue de donner une bonne image d'une presse nationale. L'opérationnalisation de cet espace d'échange et de proposition pour une meilleure pratique de la profession de journaliste dans notre pays marquera, nous l'espérons, un tournant décisif dans la vie de la presse nationale. Elle vise à renforcer la professionnalisation des médias dans l'environnement numérique par des réformes du cadre institutionnel et normatif. Nous pensons aussi que la dynamique d'unité d'action de la presse publique et privée nécessite un recadrage institutionnel des relations entre les deux entités. Selon Cheikh Ahmed Diallo, ce cadre d'échange sera un espace ouvert à tous pour une meilleure pratique du métier. Nous osons croire que les propositions issues de ce cadre permettront de rassurer les intervenants dans le système national d'information afin que la presse guinéenne joue pleinement son rôle dans la marche pour le développement et l'enracinement de la démocratie dans notre pays.
Mesdames et messieurs, le cadre permanent de concertation entre la presse publique et la presse privée ne sera pas un espace fermé. Les contributions de tous sont attendues. Talibé Barry, représentant de l'URTELGUI au sein de ce cadre d'échange, annonce déjà ses attentes. Qu'il soit la presse publique ou la presse privée, que les problèmes que nous vivons tous les jours, au quotidien, ensemble, sur le terrain et dans nos rédactions, que ce cadre puisse justement prendre ces problèmes en charge, surtout quand ils sont de l'ordre, disons, institutionnel. C'est la deuxième fois que le cadre permanent de concertation entre la presse publique et privée est expérimenté en Guinée, même si celui de l'année 2002 n'a pas été à la hauteur des attentes. Sur le continent, l'attaquant sénégalais Sadio Mané a reçu le ballon d'or de meilleur joueur de l'année 2019. Ce prix décerné par la Confédération africaine de football a été soulevé à Hurghada en Égypte. Au Sénégal, l'on salue la consécration de l'enfant du pays. Suivez. Sadio Mané au sommet du football continental. L'attaquant sénégalais décroche le titre de meilleur joueur africain de l'année. Il faut dire qu'avec son palmarès, il était devenu le favori des parieurs. Sadio Mané en 2019, c'est une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, le Mondial des Clubs et une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Autant de performances faisant du Sénégalais un joueur incontournable tant en équipe nationale qu'en club à Liverpool. À Dakar, à l'annonce des résultats, les supporters fêtent l'enfant du pays. Son premier entraîneur n'en revient pas. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Je suis même ému. Quand je pense à lui actuellement avec son ballon d'or, je suis ému. Je suis vraiment ému. Je l'aime beaucoup. Et pour les Dakarois, ce titre est amplement mérité. Joueur pour Magla. C'est un grand joueur. Il est respectueux. Je l'admire beaucoup car il est vif sur le terrain. Je prends du plaisir à le regarder jouer. Il mérite vraiment ce ballon d'or. C'est une fierté sénégalaise. Un garçon qui a prouvé, qui a montré qu'il a du talent. Un grand joueur qui a fait d'excellentes performances cette année. Sadio Mané, on l'attendra ici, on va fêter avec lui le ballon d'or africain et on va oublier toutes nos amertumes qu'on a eues dans le passé. Et allez Sadio Mané, allez le Sénégal, allez l'Afrique. Une consécration pour le Sénégalais. Sadio Mané, candidat malheureux au ballon d'or, remporte ici son premier trophée de meilleur joueur africain. Les appels à la désescalade entre Téhéran et Washington seront restés vains. Cette nuit, 22 roquettes se sont abattues sur la base aérienne d'Al-Assad et d'Erbil en Irak. Ces deux bases abritent des forces américaines. Des frappes en représailles à l'assassinat du général Soleimani. Suivez. La réplique iranienne n'a pas tardé. Cette nuit, 22 missiles se sont abattus sur deux bases américaines en Irak. Sur cette vidéo, un Irakien filme l'attaque. Une première déflagration. On entend une prière, puis l'homme crie. Il y en a deux autres qui arrivent là-bas. Faites gaffe. Attention, attention, ils visent les Américains. Les deux bases visées sont celles d'Erbil au nord du pays et d'Aïn al-Assad dans le désert irakien. À Téhéran, devant une foule enthousiaste, le guide suprême, l'imam Ali Khamenei, intervient en direct à la télévision. La nuit dernière, une gifle a été donnée en pleine face. Mais le plus important est que la présence corrompue de l'Amérique dans la région prenne fin. Dès la nouvelle connue, des Iraniens descendent dans les rues, satisfaits que l'assassinat du général Soleimani ait été vengé. Ainsi que l'imam Khamenei l'a dit, s'il tue l'un d'entre nous, nous en tuerons 10 fois plus. Téhéran avance le chiffre de 80 morts. Mais selon l'armée américaine, les frappes n'auraient tué aucun soldat. Donald Trump, que l'on voit ici sur l'une des bases visées cette nuit par les frappes iraniennes, a réagi sobrement dans un tweet. Jusqu'ici, tout va bien. Quelle sera la réponse des États-Unis ? Donald Trump doit prendre la parole dans la journée.
Quelques minutes après son décollage de Téhéran, un avion de ligne de la compagnie ukrainienne s'est écrasé. Il devait rejoindre Kiev. À son bord, 176 personnes, dont 63 Canadiens. Tous les passagers ont été tués. Les boîtes noires du Boeing 737 ont été retrouvées. Suivez. Au milieu des vestiges de l'appareil encore fumant, une nuée de secouristes du Croissant Rouge iranien s'active. La tâche est dantesque, le travail macabre d'identification des victimes a commencé dès le lever du jour. Chaque bagage est examiné. À terre, les restes de 176 vies fauchées dans le crash de l'avion de l'Ukraine International Airlines qui reliait Téhéran à Kiev. Parmi eux, 82 Iraniens, 62 Canadiens et 11 Ukrainiens. C'est un balai incessant. Les cadavres des victimes sont alignés en attendant d'être identifiés. Voici les premières images du crash filmé tôt ce matin. L'appareil a pris feu 6 minutes après le décollage de l'aéroport Imam Khomeini, comme le montre ce tracé. En plus des 167 passagers, 9 membres d'équipage. À l'aéroport de Kiev ce matin, les larmes d'une mère et la tristesse d'un père, leur fils était steward. Ma fille nous a appelés ce matin pour nous prévenir du crash et nous a demandé si son frère Yor travaillait. Nous lui avons dit qu'il partait de Téhéran et qu'il revenait à Kiev et c'est ensuite que nous avons découvert les images du crash. Lors d'une conférence de presse ce matin, les représentants de la compagnie aérienne ont assuré que l'équipage était expérimenté et que c'était l'un de leurs meilleurs avions. Cet avion n'avait pas de problème technique. Il a passé son contrôle technique il y a 2 jours. Tout allait bien. Aucune anomalie n'a été signalée par l'équipage, ni en arrivant à Téhéran, ni au moment du décollage. Les équipes de secours iraniennes affirment avoir retrouvé les 2 boîtes noires. Elles vont permettre de lever le voile sur le crash de ce Boeing 737. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.